Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mamie Anderson. Alors voici les ingrédients pour la recette d'aujourd'hui. Alors il nous faut un oignon, deux œufs, du gruyère râpé, paprika, de l'ail en poudre, du poivre, du sel, farine, crème liquide et les poireaux. Allez, c'est parti pour la recette. Alors, je vais commencer par faire revenir donc l'oignon un petit peu. Je rajoute mes poireaux. Alors au bout de 5 minutes de cuisson, donc maintenant je vais rajouter du poivre, du sel, de l'ail en poudre et du paprika. Je vais mélanger et laisser encore 5 minutes de cuisson en plus. Alors dans mon saladier, je vais commencer par fouetter les œufs. Rajouter la crème. La farine, n'oubliez pas que je vous mets comme à chaque recette les ingrédients et la quantité. Donc la farine, ensuite je vais rajouter mais un tout petit peu de poivre et un petit peu de sel. Et je termine par le gruyère râpé. Donc j'incorpore à la préparation donc mes poireaux et mes oignons. Et donc là, donc je vais mélanger ensemble. Alors, ça va partir en cuisson, je vous dis tout à l'heure, le temps de cuisson, à tout à l'heure. Voilà, alors 25 minutes de cuisson à 180 et maintenant je vais laisser refroidir. Alors voilà ma petite recette d'aujourd'hui, une quiche sans pâte au poireau, une petite quiche, une recette pour l'automne. Alors j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, à bientôt les loulous. Bye.